Célébrer la messe en communion avec vous tous, avec toute l'Église qui, dans le monde entier, entre dans cette semaine sainte. Oui, c'est le dimanche des Rameaux, le jour où le Seigneur entre à Jérusalem pour donner sa vie, pour aller jusqu'au bout du don de lui-même. Il entre pour sauver son peuple. Il entre avec humilité, il est sur un petit âne, mais il vient pour vraiment rejoindre chacun. Et la foule l'acclame tout en s'interrogeant, mais qui donc est cet homme? Alors nous aimons faire mémoire de cet événement. Chaque année, nous venons avec les rameaux pour bénir ces rameaux et pour nous aussi acclamer le Seigneur qui entre dans notre ville. Ce n'est pas un événement du passé, c'est un événement aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur vient. Comme il est venu à Jérusalem, il vient dans nos maisons, il vient dans nos villes, il vient dans le monde pour sauver son peuple. Alors oui, cette année, nous ne pouvons pas nous rassembler, mais pourtant, nous le croyons dans la foi, le Seigneur est là. Il vient nous rejoindre et tous les peuples viennent l'acclamer d'un seul cœur. Nous ne pouvons pas brandir nos rameaux, mais en pensant à cet événement, je me disais que finalement, chaque soir à 20h, dans le monde entier monte une clameur immense, dans le monde entier, une clameur. Comme au soir, au jour où à Jérusalem Jésus est entré, les gens applaudissent. Ils applaudissent toutes ces personnes, les soignants, toutes les personnes qui permettent à la vie de continuer, à la vie de gagner. Et d'une certaine manière, nous chrétiens, en nous associant à ces applaudissements, chaque soir à 20h, nous pouvons porter dans notre prière toutes ces personnes. Parce que là où il y a l'amour, Dieu est présent. Et donc à chaque fois que nous associons à cette clameur qui monte de toute la terre, nous y voyons aussi l'œuvre de Dieu qui travaille les cœurs pour que nous apprenions toujours plus à nous aimer, pour que l'amour soit vainqueur. Alors oui, cette année les rameaux, nous voulons les brandir chacun dans notre cœur, à 20h, chaque jour, à chaque instant. Nous voulons accueillir Jésus dans nos maisons, nous voulons accueillir l'amour de Dieu. Cette semaine sainte nous aide à entrer toujours plus dans le grand mystère de notre foi. L'amour rend service, l'amour rend service, l'amour s'abaisse pour laver les pieds des plus fragiles, des plus pauvres. C'est ce que nous célébrerons le Jeudi Saint. L'amour est crucifié, l'amour est crucifié. Oui, nous en ferons mémoire. Vendredi, Jésus est mort sur la croix, mais l'amour est victorieux. Dimanche de Pâques, à la veillée pascale et le dimanche de Pâques, nous célébrerons cette lumière qui jaillit dans la nuit. Le Christ est ressuscité. Alors tout au long de cette semaine, nous voulons être vraiment en communion les uns avec les autres, connectés les uns aux autres, mais surtout connectés à Dieu qui est là, qui vient aujourd'hui nous rejoindre dans nos vies. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, déjà lundi à 20h30 pour une veillée de prière que nous pourrons vivre en direct sur YouTube. À la maison d'Olivet. Vous pourrez tous vous connecter en allant sur le site internet de la paroisse. Vous trouverez le lien. Et puis nous vous donnons rendez-vous aussi jeudi saint, jeudi soir à 18h30 pour vivre aussi le dernier repas du Seigneur. Nous serons ici en direct de la maison d'Olivet dans l'oratoire pour vivre ce temps où nous découvrons à quel point le Seigneur Jésus s'est abaissé et nous montre le chemin du service, mais aussi où nous souvenons qu'il nous donne sa vie dans l'Eucharistie. Et puis, chaque jour, vous pourrez aussi vous connecter sur le site du diocèse pour être en communion avec notre évêque qui célébrera les différentes célébrations de cette semaine sainte en direct de la cathédrale. Alors oui,
nous vivons cette Semaine Sainte de manière tout à fait exceptionnelle. Elle nous invite à une foi toujours plus grande, à une espérance toujours plus forte. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de l'amour jusqu'à sa victoire, lui qui est ressuscité, lui qui est vivant et qui nous aime. Amen.